Aujourd'hui, je rencontre Christine Saint-Pierre. Cette auteure, compositrice et interprète bilingue nous parle de l'égalité des genres et de ses nouveaux bébés. Alors, suivez-moi. Bonjour Christine Saint-Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Sabine. Tu es une auteure, compositrice, interprète et ta présence sur le web me rend très heureuse parce qu'on te voit dans ton élément. Parce qu'on te connaît comme musicienne, une chanteuse, puis aussi comme maman. Tu es présentement sur le... On a deux personnes sur le banc. Ton petit garçon qui s'en vient très bientôt et toi. Merci d'être venue avec ton beau ventre. Sur Instagram, tu es très présente. Tu montres du quotidien de ta vie. Tu partages de plus en plus ta grossesse. Oui. Parce que c'est ça que tu vis présentement. Est-ce que tu reçois des commentaires positifs par rapport à ta grossesse en ligne? Oui, oui. Surtout de... Ben, je veux dire de plusieurs personnes, mais surtout de femmes, d'autres femmes dans ma vie ou des femmes musiciennes aussi qui regardent, qui aimeraient avoir des enfants ou qui pensent avoir des enfants, mais sont... Je veux dire, ça fait peur. Oui, ouais, c'est ben, sûr que... Moi, j'en suis une qui avait peur, mais oh, quand je vois des femmes comme toi qui sont capables de réaliser leurs rêves, pour toi, c'est de chanter, puis en même temps, de continuer ta vie familiale et tout ça. J'aimerais ça parler de ta carrière, comment tu as débuté. Tu nous as dit dans ton questionnaire que ta carrière a vraiment débuté après le décès de ta mère. Oui, bien, la musique a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été impliquée au niveau du chant et j'avais suivi des cours de guitare au secondaire. Donc, tu sais, je veux dire, je m'étais baignée un peu, oui. Mais, je veux dire, j'étais allée à l'université, pas en musique du tout. Oh, puis, c'était... Oui, la musique, ça... C'était pas... je voyais pas ça comme un choix, comme une carrière, dans le fond. J'avais jamais pensé pouvoir en faire une carrière. Et puis, avec... C'est quand ma mère a été diagnostiquée avec le cancer, j'avais 20 ou 21. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre la guitare un peu, puis à c'était vraiment une façon de transmettre mes émotions. Et puis... À cette période-là, qui était quand même difficile. Exactement. Puis juste avant son décès, j'avais organisé une levée de fonds, mais c'était un concert. Puis là, j'avais joué vraiment la guitare ou j'avais joué des compositions que j'avais faites. Puis la réception était bonne. Oui, oui, pour la première... Bien, je veux dire, une des premières fois... Et puis, après son décès, c'est vraiment là que une journée après, je pense, j'étais en voiture, puis je suis arrêtée dans un stationnement, puis il y a juste une chanson qui m'est venue comme ça. Te souviens-tu du nom de la chanson? Oui, ben c'était à propos de ma mère, c'était « Mama, please stay », je pense. Puis, je veux dire, de là, j'ai commencé les open mic. Tu sais que je ne connaissais pas ce concept-là. Et puis de là, j'ai pas arrêté. Puis depuis, tu en fais. Oui, non, c'est ça. C'est de là que j'ai commencé, puis je me suis mis à fond. Vraiment, là, c'est depuis 2006, dans le fond, que... Puis là, tu travailles déjà sur un autre album qui va sortir bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cet album-là? C'est quoi l'essence même? Parce que t'évolues, tu deviens une maman une deuxième fois. Oui. Bien, c'est 6 chansons, en fait. Puis, il y en a quelques-unes que ça fait quelques années que j'ai écrites. Mais quelques-unes que c'est des nouvelles chansons. Je dirais que c'est... Là, on a fini l'enregistrement, fait que de vraiment voir... Le produit final. Oui, exact. C'est presque terminé. Puis c'est intéressant de voir à quel point c'est similaire à mon album. Le premier. Mais au premier album.
Mais plus, je veux dire, les chansons entraînantes là, sont plus pop, plus... ouais, plus c'est là que t'es rendu ou c'est parce que c'est, tu sens que c'est une pression ou c'est ça qui est populaire ou c'est non, vraiment mais toi? Je pense que ça... Non, ouais, on dirait que c'est... Un mélange c'est des moi deux. Parce que ces chansons-là, ça fait quelques fois que j'ai joue... Bien, y en a une que ça fait quelques années que je la joue en spectacle aussi. Fait que c'est juste de l'avoir développée, dans le fond, au cours des années. Puis, je pense que en rentrant en studio, j'avais une meilleure idée de ce que je voulais comme son. Mais il reste qu'il y a y a les ballades folk que j'appelle introspectives, c'est axé sur la réflexion personnelle. C'est quoi les thèmes qu'on peut voir dans cette réflexion personnelle? Que tu apportes dans cette nouvel album? Je pensais pas que c'était un album concept. Je pense pas que c'est un album concept, mais quand j'ai commencé à relire les textes puis à essayer d'expliquer, c'était quoi cet album-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelques mots qui revenaient, comme « entendez-moi ». Puis il revient dans souvent. Quelques chansons. Non, est-ce pas, que tu pas trop te souvent. Souviens entendu? Ben c'est ça. Fait que c'est comme... Ben il y a une partie qui est « entendez-moi, moi ». Le fond de moi? Je veux dire que j'ai un message, je ne me tairai pas, je veux continuer à chanter, peu importe... La situation. Exactement, tout ce qui se passe. Tu sais, je vais continuer, je vais foncer, je vais suivre ma passion. Fait qu'il y a ce côté-là plus personnel, puis il y a le côté aussi de vouloir partager les voix des autres ou les voix de ceux qui... Les messages des autres. Oui, les messages des autres qui peut-être n'ont pas cette plateforme-là. Oui. Puis c'est intéressant que tu en parles parce que tu fais des voyages, tu partages souvent des voyages sur tes plateformes sociales. Tu as été séduit par l'Afrique, puis on voit que tu apportes un message de l'Afrique dans tes chansons. Même que tu as fait un vidéo, un court vidéo qu'on retrouve sur YouTube que tu as fait avec un artiste de Goma. Oui. Oui, puis c'est intéressant parce que... j'avais voyagé beaucoup en Amérique latine, puis l'Afrique, j'étais jamais allée. Puis ça m'attirait pas. J'aimais beaucoup le côté latin et espagnol. Mais mon premier voyage était au Kenya. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de femmes à travers l'Afrique. Et puis j'ai eu aussi l'opportunité de jouer dans un bar à quelques reprises. Puis c'était juste... ça m'avait beaucoup touchée, oui, et puis séduit. Puis après ce voyage-là, j'ai eu l'opportunité de retourner, de visiter plusieurs pays. Et tu donnes des formations là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui, mais c'est ça, l'autre côté. De ton côté entrepreneur. Oui, donc ça, un peu en même temps que la musique aussi, parce que j'ai vraiment plongé dans la musique en 2006, puis en 2006, c'est aussi quand j'ai terminé ma maîtrise, donc c'est là que j'ai commencé ma carrière aussi. Et c'est au niveau de la paix et la sécurité, puis des formations au niveau du genre, de l'égalité, mais axé sur la police et les militaires. Donc, très axé sur le système de la sécurité. Puis, une cause qui te tient à cœur, c'est l'égalité des droits des femmes. D'où est venu ce côté militantisme chez toi? Bien, je pense que c'est avec le travail de rencontrer
toutes ces femmes, surtout des femmes policières au cours des années, de voir leur ambition, leur enthousiasme, mais aussi les barrières, les défis qu'elles ont à surmonter. Oui, exactement. Puis ça, c'est plus en Afrique ou des femmes à l'international? Ça a commencé avec le travail en Afrique, mais c'est sûr que je suis quand même impliquée ici, au niveau, puis juste au niveau des violences sexuelles, de l'abus, des choses comme ça. Donc ça j'essaie de m'impliquer le plus possible. Quelles sont les activités d'implication que tu fais une fois arrivée en Afrique? C'est surtout au niveau des formations. Mm-hmm. Ça va être à travers différentes organisations, puis ça va être des formations pour les hommes et les femmes. Mais ça va être surtout des policiers et des policières qui veulent se déployer en opération de paix avec les Nations Unies. C'est très spécifique. Oui. Ouais. C'est très, très spécifique. C'est intéressant que tu t'en parles parce que ton père est un militaire. Oui. Tu as eu la chance de voyager, de t'adapter à différentes cultures. Mm-hmm. Puis ça te donne une autre perspective parce que tu as cette connaissance-là. Mm. Comment le rôle de ton père a affecté ton rôle maintenant en tant qu'artiste, puis aussi en tant que quelqu'un qui va donner des formations ailleurs dans d'autres pays? C'est vraiment intéressant parce que c'est mon père qui... Je ne savais pas quoi étudier après le secondaire. Et puis, c'est mon père qui avait dit « Va en environnement, c'est le futur. » Fait que j'avais fait mon bac en environnement. Fait que c'était pas du tout relié. Mais est-ce que tu as aimé ça? Oh oui, non, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait des stages, des choses comme ça. Mais en choisissant la maîtrise, je voulais continuer le parcours environnemental, mais en fin de compte, ça a comme... Dérivé quelque part. Ouais, ça a dérivé affaires internationales, qui sont aussi... L'environnement en fait partie, mais là, ça a dérivé vers les conflits, puis la gestion des conflits, la résolution de conflits. Puis c'est comme ça que je suis allée en opération de paix. Puis c'est à ce moment-là aussi que mon père a pris sa retraite et a fait deux opérations de paix en fait au Darfour, puis à Sarajevo. Fait que ça l'avait... Influencé ton choix de carrière. Oui, je veux dire, parce que je travaillais sur les opérations de paix pendant qu'il était au Darfour, fait qu'il m'envoyait des photos, puis... C'est venu te chercher, ça a allumé quelque chose en toi. Oui. Fait que c'était peut-être ça. Un lien. Oui, mais j'ai jamais voulu être militaire, par exemple. Ah, ben, c'est relié quand même. Oui, c'est relié. Tu as également étudié en journalisme. Oui. Puis on le voit... On le voit dans un des vidéos où tu parles un peu dans lequel, dans un concours, tu lançais ta participation sur une vidéo en ligne. Oui. Puis tu disais pourquoi tu veux être une des finalistes. Puis on voyait que tu avais l'expression facile. Mais est-ce que c'était une de tes premières vidéos sur YouTube? Parce que ça date de longtemps. Oui, je pense que oui. Oui, je fais pas beaucoup de vidéos où je parle. C'est ça, parce que ça remonte quand même à longtemps. Même sur Instagram, j'essaie d'en faire plus, mais je fais tout le temps « delete ». Tu préfères chanter? Oui, ou juste faire des photos, mais même... Hein? Une vidéo sur YouTube qui est pas mal populaire, c'est celle où tu es enceinte encore une fois de ton premier bébé, Ava, qui à l'époque où tu étais enceinte de 8 mois, tu chantais l'hymne national pour une joute d'hockey au Canadian Tiger Center. Quel était ton sentiment à ce moment-là? Parce qu'on te voit pas mal pleine. C'était une grossesse pas mal, plus facile que celle-ci, fait qu'il n'y a pas eu de problème. Non, c'était,
je veux dire, j'étais nerveuse, c'est sûr. Nerveuse d'oublier les paroles, ça, toujours. Mais j'étais aussi nerveuse de ne pas être capable de... Ou tu sais, de commencer un peu trop haut, puis là, pas être capable de... Parce que c'est, la pression change ta voix un petit peu? Oui, surtout maintenant, oui. Là, je réalise qu'avec Eva, je ne l'ai pas senti tant que ça. Là. Je veux dire, j'ai chanté presque jusqu'à la fin. Maintenant, là, c'est un peu plus difficile. Mais quand même, tu attends un beau petit bébé, un garçon. Ouais. Tu parles d'une grossesse un peu différente, mais la vie change, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis, on voit dans ton compte Instagram des photos avec... Moi, il y a une photo que j'aime beaucoup. On te voit de profil avec une robe blanche avec des fleurs. Puis, on dirait que tu étais très, très, très fière d'avoir un bedon bien en santé. On n'aurait jamais pensé que tu aurais des malaises. Est-ce que tu trouves que les femmes ont besoin de se voir de plus en plus enceinte pour pouvoir s'identifier à d'autres, pour pouvoir... Parce qu'on attend un peu plus longtemps pour avoir des enfants. Oui, oui. Mais c'est intéressant parce que avec cette grossesse-ci, j'ai attendu plus longtemps avant de mettre des photos. Mm-hmm. Pas parce que je voulais m'assurer que tout soit correct, c'était plus parce que j'avais peur qu'on m'enlève des opportunités qu'on assume que... Ah, à cause que t'es enceinte? Comme oui, c'est ça. Comme, tu peux pas chanter. Ou, elle est enceinte, je la contacterai pas. Ou, tu sais, comme, elle doit être occupée. Ou des choses comme ça. Puis je voulais... Il y avait quelques opportunités auxquelles je voulais appliquer. Puis je sais pas, j'avais cette idée-là, peut-être complètement... Pourtant, tu es tellement inspirante sur ta plateforme. Je pense que ça t'aurait ouvert des opportunités, mais je pense que c'est qu'est-ce que les femmes pensent. Oui, oui, parce oui, qu'on oui. sait qu'il y a des barrières sur... Oui. Puis ça, tu le sens même en tant que chanteuse. Et... Puis tu es une travailleuse autonome où tu peux accepter et refuser des contrats. Oui, 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 oui. Non, mais je le... Oui. Oui, je le sens. Puis peut-être que je devrais pas. Mais j'ai quand même, à un moment donné, je me suis dit, non, let's go. Fonce. Puis, oui, puis surtout parce que, tu sais, ça n'arrive pas si souvent que ça. Mm-hmm. Puis c'est pas, c'est exactement. Puis c'est pas pour tout le c'est jour. C'est pas exactement. Fait que je me suis dit, let's go. Prendre des photos, puis je veux m'en rappeler, puis je veux documenter aussi. Ouais. Puis dans ta documentation de cette grossesse-là, tu reçois aussi des beaux messages. Il y a deux beaux messages que tu as reçus, que tu as partagés avec nous, qu'on voit présentement à l'écran. Pour toi, qu'est-ce que ça représente avoir des messages de, des fois, des inconnus qui t'envoient des messages d'amour? Ben je me dis que je veux dire, il y a une raison pourquoi je fais ça. Puis ça me permet de continuer, dans le fond. Ça me donne un boost. Un boost. Un petit boost. Parce que, je veux dire, c'est sûr qu'on se pose... Mille et une questions. Exactement. Beaucoup, beaucoup de questions. Puis des fois, il y a des gens qui vont nous faire poser plus de questions. Puis... Qui vont nous questionner dans notre démarche. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que je dois faire ce que je veux faire, moi. Mm-hmm. Ce qui me fait... ce qui me rend heureuse, dans le fond. Mm-hmm. Puis, ce qui te rend heureuse, c'est d'être dans une ville où il y a deux langues officielles. Puis, je sais que tu es une militantisme du bilinguisme. J'ai vu quelques posts sur Ottawa Ville Bilingue à ton sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu veux que la ville devienne officiellement bilingue? Bien, je sais que le maire dit qu'il y a une politique et tout ça, mais je pense que d'avoir ce saut. Mm-hmm. Je veux dire, pour moi, ma vision a beaucoup changé quand j'ai eu Eva.
Parce que avant ça, c'est sûr que je vivais ma vie. Bon, le travail était beaucoup plus en anglais ou des choses comme ça, la musique un bilingue. Mais avec Eva, je fais un effort constant de lui parler en français, d'écouter des émissions en français, la radio en français. Puis c'est extrêmement important pour moi qu'elle puisse grandir dans un environnement où, dans lequel elle est capable de communiquer dans les deux langues. Mm-hmm. Puis si elle veut vivre en français, mais qu'elle soit capable de le faire. Puis d'avoir les services. Oui, oh, et exactement. Les outils. Exactement. Puis c'est pas juste de demander un service, puis si tu l'as pas, ben là, tu changes en anglais. Parce mm-hmm. que ça, c'est difficile. c'est un autre problème. Oui, c'est ça. Tu es très fière d'être ottavienne. On voit ton pendentif avec oui. Oui, il est très, très, très beau. Mais tu as fait le tour de la planète. Puis c'est intéressant de savoir que tu as un sentiment d'appartenance à Ottawa parce que t'es née au Québec, t'es née en Allemagne, ouais. puis t'as vécu au Québec, puis un peu partout, ouais, mais t'as un sentiment d'appartenance propre à Ottawa, puis surtout en Ontario, parce que t'es une fière franco-ontarienne. Oui, mais j'aime ça. Je veux dire, ça va faire presque 18 ans que ma base est à Ottawa, même si il y a eu des petits voyages ici et là, mais je veux dire, vraiment, quand on dit d'où je viens, c'est un peu difficile de je viens pas d'Ottawa, mais ça fait quand même 18 ans que mm-hmm. je suis ici. Donc oui, il y a un sens très profond d'appartenance que je ne ressens pas dans d'autres villes ou ailleurs. Même si mes parents étaient étaient québécois. Je me sens beaucoup plus ottavienne et fière d'être franco-canadienne. Et bilingue. Oui. Puis fière d'être, je veux dire, une franco-ontarienne d'adoption, dans le fond. Là. Puis ça paraît dans tes sujets, dans qu'est-ce que tu publies sur Twitter, sur Facebook. Une autre chose que j'aimerais soulever, c'est que tu as partagé la couverture de ton nouvel album, qui est en noir et blanc, très classique. Ah, mais ça, je sais pas si c'est là. Ah, c'est... t'as changé? Non, mais en fait, c'est une photo. Mais c'est... Oui, non, j'y pense. Tu penses encore à la couverture? Oui, ben je suis en mode de design en ce moment, là, pour essayer de voir comment je vais faire tout ça. Puis, en parlant de musique, il y avait le Gala Trior qui a eu lieu en 2017. Puis, en 2015, on t'a vu en famille. Tu étais la seule qui a amené son enfant et son conjoint sur le tapis rouge. C'était une très belle photo sur les médias sociaux qui a eu énormément de commentaires. Bien, je veux dire, parce qu'elle avait peut-être 2 mois, Il n'y avait pas de gardienne? Vous n'avez pas trouvé de gardienne? Non, mais en fait, c'était parce que pourquoi pas l'amener sur... C'était quand même un événement parce que j'avais été en nomination. Fait que c'était une première nomination. Puis en plus, tu sais, je dirais avec un nouveau bébé. Fait que pourquoi pas? C'était juste le tapis rouge, là. Mais moi, j'ai vite réalisé que la robe que j'avais n'était pas propice à l'allaitement. La réalité de maman. Oui. Peut-être que tu devrais te lancer dans cette avenue de créer des non, habits. Non, mais je veux dire, c'était une robe de maternité, donc tu sais, c'était parfait. C'est juste que... Quand elle a commencé à pleurer, là, Mais non, mais cette année, je suis retournée, je voulais refaire la même chose, fait qu'Eva est venue avec moi. C'était juste elle et moi. Fait qu'on a fait le tapis rouge, mais étant donné que je n'étais pas en nomination, il n'y a pas eu beaucoup de photos. Mais tu en as pris quand même. Oui, non, on en a pris. Mais ouais, elle était un peu plus... elle était plus vieille, ouais. Puis elle était habituée.
Maintenant, elle fait les tapis rouges. Je peux te dire, moi, j'ai fait un tapis rouge. Dans deux ans. Dans deux ans, on en fera un autre. Oui. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Oh! La force et le courage de continuer. Oui, de vraiment continuer, d'essayer de combiner. C'est ce que j'essaie de faire, hein, de combiner mes différentes passions, puis de trouver des liens entre, que ça soit les formations sur l'égalité, puis la musique, puis d'essayer d'écrire sur l'égalité. Surtout. Ou tu sais, je veux dire, fait, ce que je découvre, c'est en faisant vraiment ce que j'aime, en étant capable de faire ce que j'aime durant la journée, bien, quand je suis avec Eva, je peux lui donner toute mon attention, puis il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets. Que, oh non, t'es toute entière. Exactement. Fait que c'est le fun parce que je suis toute entière sur, tu sais, avec mes différentes carrières, puis après ça, je suis capable d'être toute entière aussi à la maison, disons. Fait que j'espère vraiment pouvoir continuer ça. En tout cas, on va continuer à te suivre dans ta vie familiale, dans ta vie musicale, puis aussi dans la vie que tu permets à toutes les femmes du monde, parce que tu es une militante pour les droits des femmes. Et merci beaucoup d'être venue sur Suivez-moi. Merci à toi.